Je suis docteur Hervé Judas-Rando, je suis médecin. Je travaille pour Médecins Sans Frontières. Donc, nous donnons un appui au centre de santé de Konna, avec l'appui en personnel, l'appui en médicaments. Donc, nous aidons le centre à réouvrir les activités de soins de santé primaire qui étaient fermées pendant les conflits. Ça veut dire que la CPN, l'accouchement, ça veut dire que les consultations des enfants et des adultes, la pharmacie et le petit laboratoire de ce service. Donc également aussi, nous avons repris l'activité de la vaccination des enfants. Donc nous avons déjà consulté environ 1200 patients. Et les principales pathologies, c'est d'abord le paludisme. Le paludisme chez les enfants. Donc c'est ça qui est beaucoup. Et deuxièmement, nous avons les infections respiratoires. Et nous avons aussi des cas de diarrhée, des cas de paradisose intestinale, donc les enfants qui ont des vers intestinaux. Et nous avons aussi des cas d'infections urinaires. Nous allons continuer à apporter notre aide sur le plan médical à la population d'ici. Minni horna wortam fini kan san e redu yoru gir girgal o ka way do ngol ma so da ni arande ne taju fa da anta kas nenu nyandu nduduno wayra nyam fa berno man wat tifo sembe nyan da fu wit ni ni mi ngor gila girgal o Nous sommes beaucoup plus focalisés sur les activités médicales. Donc pour le moment, l'urgence c'est de soigner les patients. Donc nous, notre objectif c'est de soigner. Donc chaque jour on vient, c'est vraiment soigner les patients.